Et salut à tous, c'est Benji24 et on se retrouve pour l'épisode 2 du mode univers avec AJ Styles. Et on continue les shows qui s'enchaînent. Oui, parce que on s'enchaîne, attention. Donc on recommence. On recommence, qu'est-ce que je raconte? On continue évidemment, donc encore cette rivalité qui a duré 5 ans à peu près contre Sting qui s'approche déjà sur le ring. Hein. Et ça commence bien. On commence comme d'habitude, hein, je crois que ça va être une habitude. AJ Styles qui attaque dans le dos. Et d'accord, son coup de poing a fait l'effet d'un guilly. Et d'accord, c'est AJ Styles qui se retrouve au sol. Il s'est fait avoir par son propre jeu. Il a essayé d'attaquer Sting, qu'est-ce qu'il lui fait? Voilà, oh, on commence fort. Ouf, une souplesse déjà sur la rampe. J'ai encore du mal avec les noms, c'est dingue. On commence déjà, ouais, par. C'est terrible. C'est un gros bordel déjà. Les mecs ils sont même pas encore entrés dans le ring. Est-ce qu'un jour ils vont s'affronter correctement? Ça on le saura. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était une prise ça ou il s'est juste cassé la gueule? D'accord. Il se passe des choses déjà très bizarres. On sait pas trop qu'est-ce qu'il avait fait, j'essaye. Voilà, pour l'instant il se jette partout par terre. Est-ce qu'un jour ils s'attaqueront pas? Il y aura un vrai combat. Que se passe-t-il? Ok, ça revient dans le ring. Avec un coup de coude. Ok, Sting est rentré dans le ring. Est-ce que le match va débuter? Le match débute. Sting, il en a rien à foutre. Il est encore habillé. Hein. Il ne prend même pas le temps de se déshabiller. Non, c'est parti. Ok, Jessica est en train de prendre cher quand même. Ouh, descendre du coude. Qu'est-ce qu'il fait, Sting? Voilà. Ok, d'accord, Sting a pris le temps de se déshabiller, le temps. Ça commence avec un neckbreaker. Ok, donc le match peut enfin débuter correctement. Mais ils sont quand même attaqués depuis dès le début. Oula, oula, oula. Sting sera deuxième corde. Attention. C'est parti. Ok, descente des bras. J'ai oublié le nom de la prise. Avec une clothesline. Ok, relève déjà Sting. Contré. Allez, ça met des droites. Oh. Oula, oula, ça continue. Qu'est-ce qu'il fait? Coup de pied. Ils savent pas trop ce qu'ils font là. Le public qui est derrière Sting. Ça s'entend. Attention. Soulever. Et une souplesse. Enfin, c'est la deuxième du coup. Oula, Style qui sort. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Style? Style qui est énervé, qui veut taper les commentateurs. Mais Sting qui le ramène dans le ring. Avec un autre coup de coude. Pour l'instant, Sting est là, il a un large avantage. Sting qui esquive un coup de pied. Ouf, non mais Sting est vraiment trop chaud. Ouf. C'était, on aurait dit son finisher, je suis pas sûr. C'est terrible, attention. Et un. Et non, c'est bon. Il y a eu que un, et Jesse il est encore en forme. Avec coup de pied dans le dos, on aurait presque même un coup de genou. Pour l'instant, AJ Styles il est en galère. Hein. Est-ce qu'il va revenir? Si je dis ça, il revient. Attention, projection. Ouf, non, il revient pas du tout. Oh là, non, AJ Styles est vraiment en galère. Il est complètement sonné et un jumping DDT. C'est terrible ce qui se passe pour AJ Styles ce soir. Il a essayé d'attaquer Sting, mais c'est lui qui s'est fait avoir. Ça attaque les jambes. Ah oui, AJ Styles est complètement KO là. Sting a plus qu'un avantage là, il a un gros avantage. Oula, c'est peut-être une erreur ça. Mais si ça passe, ça peut être le tournant du match. Que fait Sting? Attention, descend du coude, il a loupé. Ouh l'erreur. AJ Styles qui est debout du coup. Et qui attend Sting. Que fait AJ Styles? Ouh le corde à linge. Ok, c'est terrible. Ça y est, AJ Styles. Ouh, AJ Styles qui est bien énervé. Ça y est, est-ce que AJ Styles va reprendre le dessus? Le match vient de reprendre un tournant. Projeté dans le coin. Oh, coup de pied contré. Ouf, qui est ramené au sol. Il aura pas eu l'avantage longtemps. Sting qui le relève. Oh, et Jake a contré. Oh, qui ramène Sting au sol. Putain, décidément. C'est chacun leur tour. Que fait AJ? Descendre du coude. Ouf, avec un coup de pied dans l'épaule. Attention, que fait AJ qui prépare des. Oh là là. Qui fait des techniques sales. Il le repousse au sol. Il a relevé Sting, attention. Il porte sur les épaules. Ouf. Ouh, il a carrément détruit la nuque sur son genou. Attention. 1 et 2. Non, non, pas 2. Il n'y a eu que 1.
Oula, Ajay qui en peut plus. Il a pris quand même la misère au début du match. Oh, attention! Ou le surpassement. Attention, que fait Sting? Sting qui reprend le dessus encore une fois. Ou le public est derrière Sting. Il préfère peut-être son Stinger Splash. Oh non, qui a été contré par Ajay. Et encore cette corde à linge. Qui le sauve au moins 3 fois, ça l'a sauvé. Le relève Sting. Oh, 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 droite, gauche. Oh, le coup de pied. Qu'est-ce qu'il fait? Le combo, le combo. Oh, AJ Styles qui vient d'enchaîner Sting. On connaît bien là son style. Oh, Sting qui a encore un surpassement sur AJ. Attention, descente du coude encore une fois. Pour l'instant, c'est un match 50-50. Hein. Chacun mène un peu la danse et un backbreaker. C'est terrible. Oh, AJ qui se projette. Oh, Lion Salt. Un Lion Salt d'AJ. Il a les pieds dans les cordes, mais l'arbitre ne voit pas. Ça a fait que. Hein. Oh, que fait AJ? AJ qui monte sur les cordes. C'est plus son domaine que Sting. Attention, AJ. Waouh, wow, c'était quoi? C'est eu un 360, on sait pas trop ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il s'est fait bien mal, je pense. Non, ça a l'air d'aller. Ça va, c'est vite remis. Coup de pied, DDT. Ça, c'est la vengeance de tout à l'heure, je pense. Que fait AJ? Oh, est-ce qu'il va préparer son phénoménal forearm? Attention. Non, non, non. AJ a fait une feinte. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il veut lui briser la jambe. J'ai oublié le nom de cette prise, mais en tout cas, il peut lui briser la jambe à tout moment. Sting va sûrement abandonner. Non, non, ouf, ouh, le coup de coude derrière la nuque. Sting s'est sauvé. Oh, un DDT. Ouh, est-ce que Sting est revenu dans le match? Avec ses deux mouvements. Oula, que fait Sting? Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, la droite et le scorpion deadlock. Dead drop. Deadlock, putain, je vais y arriver. Dead drop celui-là. Ouh là là. AJ Styles a sûrement perdu. Il a perdu. 1, 2 et 3. Non. AJ Styles s'est relevé. Il s'est relevé du finisher. Oh, Sting en croit pas ses yeux. Oh, le match. C'est un match 5 étoiles là presque. Oh là, AJ. Ouh, le pelé kick. Ouh, la roue tournée. Il a fait saigner Sting. Il est plus en masque blanc, mais il est en masque rouge. Je crois que j'ai déjà fait cette blague avant, mais faut pas le dire. Oh là. AJ prépare sûrement son coup final là. Phénoménal, le phénoménal, le phénoménal est passé. C'est la fin, c'est la fin de ce match, c'est obligé. C'est obligé que c'est la fin. 1, 2 et 3, vainqueur AJ Styles. Au bout d'un combat très compliqué, il a réussi à gagner. C'est terrible ce combat là, avec une attaque au début d'AJ. Sting qui a réussi à revenir à chaque fois, mais AJ a réussi à gagner cette victoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il continue! AJ, oh là là, AJ Styles qui est vraiment vénère. Il déteste Sting, on sait pas ce qui se passe entre eux. Mais AJ Styles déteste Sting. Ah, ça continue. Et ok, on se retrouve pour un autre combat. Que se passe-t-il? D'accord, mais décidément, les gars ne veulent pas faire un vrai combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Sting qui attaque. Et un jour on aura un vrai combat entre les deux. Il y a eu que des attaques depuis leur combat. Les deux se détestent et on est reparti pour un combat. Donc de retour pour un autre SmackDown évidemment. Il y a une coupure très bref. Et là AJ qui a déjà enchaîné Sting à l'extérieur du ring. Mon dieu, il l'a enchaîné de... Oh là, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui s'est téléporté presque. On va dire qu'on n'a rien vu. Il est projeté au sol. C'est terrible cette rivalité. Il n'y a que des attaques. Qu'est-ce qu'il lui fait? D'accord. Il a tapé à peu près le sol. On va dire que tout va bien. Il a encore tapé le sol, mais cette fois il est esquivé. Qu'est-ce qu'il lui fait? Oh, est-ce qu'il va changer de la souplesse de la semaine dernière? Et souplesse aussi au sol. Chacun leur tour. Ils se vengent. Et qui va remporter cette rivalité à la fin? Qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il lui fait? Ouf. Il l'a jeté dans la lumière presque là-bas. Dans le néon. Hop, il l'envoie dans le ring. Pardon. Attention, que fait AJ? Que fait AJ Styles? Non, ouf, c'est un phénoménal mais non. Oh, le match commence avec une prise. Oh, c'est peut-être la fin. 1, 2. Non,
C'est pas la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le relever, non? Non, il est très au sol. Attention. Il fait AJ. Il regarde les cordes. Oh. Ouf, un Shining Wizard. Un Enziguri ou un Shining Wizard, je sais pas trop c'était quoi. Et non, Sting, ça l'a pas mis assez au sol. Il est déjà debout. Oh, à son tour. Non, AJ qui compte, il contre. Ouf, trois coups de coude dans la tempe. Oh. Ouf, l'enchaînement. Il met des chops en plus. À la Ric Flair. Attention, projeté dans le coin. Ça enchaîne, c'est bien. Ouh, close line. Il a bien enchaîné là, AJ. Oh, il est chaud. Sting, oh là, descente du coude. Qui est complètement KO là. AJ, oh, Lion saute. Mais non, il fait que enchaîner. C'est sûrement la fin là. 1, 2. Oh, c'était déjà à 2. Sting a déjà du mal. Il se relève déjà au compte de 2. Est-ce que ce match va aller vite? Non, ouf. AJ qui saute sur Sting, il le respecte même pas. En même temps, le mec fait que l'attaquer. Donc, non, ouf. Oula, Sting qui va peut-être revenir. La haine entre les deux est quand même assez élevée. Pas un seul combat a débuté normalement. Oh, il a été contré, Neckbreaker. Il a été ramené au sol. Il n'a pas le temps de parler, ils vont trop vite. Il y a toujours une prise toutes les 10 secondes. Oh, AJ qui va repartir, il va lui rebrisser la nuque. Ouf. Entre le Neckbreaker et Sai. Un coup de genou dans le dos. Oh, armbar. Il va lui casser le bras, il va lui tordre le bras. Est-ce que Sting va abandonner? Attention. Non, 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 Sting va pas abandonner. Oh, il se retourne. Des droites dans la tête. Ok, il s'en sort. Il a mal au bras mais il s'en sort, attention. Est-ce qu'un backbreaker? J'ai oublié le nom de cette prise, c'est pas backbreaker mais je crois que c'est backslam ou un truc de ce genre. Ok, Sting est vénère. Ouf. Close line. Une autre close line. Oh, Sting enchaîne, une troisième. Oh, attention. Est-ce qu'il va faire son single splash? Oui, non, il a été contré. Il a déjà contré. Et oh, encore cette corde à linge. Un coup je dis corde à linge, un coup je dis close line, hein. En tout cas on s'amuse les traductions. Mon dieu. Ou Sting qui revient encore une fois, mais décidément. Style il s'en sort, mais voilà, c'est chacun leur tour. Chacun leur tour, on sait pas trop lequel prend le dessus. Ah non, Sting qui a encore contré. Oh, German souplesse. Ouf. Doute un peu plus, c'était dans les cordes. Ouh là, AJ qui sort dehors. Sting qui fait signe de revenir, mais AJ Styles qui provoque le public là-bas. Il y a peut-être une fan de Sting là-bas. Oh là, oh là. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ouf. Hot shot, d'accord, la guillotine. AJ qui continue. Wow. Oh, c'est l'arbitre qui a pris le 450. L'arbitre est complètement KO. Ah non, l'arbitre pas du tout KO, il s'en bat totalement. Qu'est-ce qu'il fait AJ? Il essaye de choper Sting. Il a pas réussi à le choper. Si. Sting qui est en train de l'engueuler presque. Oh, que se passe-t-il? Oh, projeté dans les escaliers. Et Jay qui tente des techniques de fourbe quand même. Il remonte dans le ring. Avec une petite provocation hein, au public évidemment. Sting est complètement KO depuis qu'il a pris les escaliers. Attention, il se relève. Faut que je dise ça pour qu'il se relève. On est déjà à 5. Ok, Sting est de retour. AJ, ouais, opportuniste qui a pas attendu qu'il soit rentré. Oh, Sting, attention, attention. Qui ramène AJ au sol. C'est rendu 50-50, même si AJ avait plus plus d'avantage avant. Attention. Le public est encore derrière Sting. Parce que cette fois, il va retenter son Stinger Splash. Non, il a encore été contré. C'est au tour d'AJ Styles qui va repartir pour la prise de soumission sur la jambe. Est-ce qu'il va y arriver cette fois? Non, Sting, ouf, encore un coup de coude derrière la tête. Oh, DDT, ça, je crois qu'à chaque fois il s'en sort comme ça, Sting. Oh, AJ qui ressort. Ouh, il a fait attraper la jambe de Sting. AJ qui monte sur le tablier, attention. Ouh, c'est AJ qui s'est pris la guillotine cette fois. Ça devient dangereux là. Ça devient dangereux. Que va faire Sting? Il est déjà à deux. Ouh, le surpassement à l'extérieur. Ouh, descend du coup. Qu'est-ce qu'il fait, AJ? Il a tapé le sol. AJ qui a totalement bourré, qui a totalement visé à côté. Et Sting qui remonte dans le ring en se faisant taper, il en a rien à foutre. AJ qui a attrapé la jambe de Sting. Et guillotine, décidément, c'est vraiment le match sans respect. Et AJ qui repart pour le 450, mais oula. Ouh, heureusement qu'il s'est rattrapé. Mais l'arbitre cette fois n'a pas pris le coup.
Ça fait deux fois qu'AJ se trompe. Décidément. Il a peut-être bu un peu un petit verre avant d'entrer dans le ring. Et le pelé kick. Ouf, il l'a pas fait saigner cette fois. Oh, il lui saute dessus. Oh, Sting est complètement KO. Que fait AJ? AJ prépare des trucs, il sait pas. Il est en train de caler Sting. Peut-être pour... Oh là. Il va retenter le 450, non? Non, 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 non. Que fait AJ? Il sait pas. Non, il attend que Sting se lève. Peut-être le phénoménal. Non, 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 c'était une feinte encore une fois. Oh, cette corde à linge encore une fois. Qui ramène Sting au sol. Hop, il le relève. Attention. Oh, il va lui recasser la tête. Ouf. Sur le genou à chaque fois. Ah, AJ sur la deuxième corde, ça fait un peu loin. Ouais, non, il a vu que c'était un peu loin. Oh, est-ce que AJ va préparer son phénoménal? Je pense que c'est la fin pour Sting. Attention, si le phénoménal y passe. Phénoménal forearm. C'est sûrement la fin, c'est sûrement la fin. Attention. Et 1. Et 2. Et 3. Et AJ Styles a encore gagné un match contre Sting. Malgré leurs attaques au début. Décidément, on sait pas trop ce qui va passer à Extreme Rules. Est-ce que AJ Styles va encore attaquer Sting? J'espère pas. Qu'est-ce qu'il fait? On sait pas trop ce qu'il fait, mais. Que fait AJ? AJ qui va dehors, qui va peut-être voir les fans. Non, pas du tout! AJ qui a pris une chaise. Oh, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. AJ Styles avec une chaise dans la main, c'est jamais bon. Attention, que va-t-il lui faire? Non, AJ ne fait pas ça, ne fait pas ça. Ouf, ça y est, non. AJ qui tabasse Sting à l'extérieur avec une chaise. Décidément, cette rage contre Sting ne s'arrête pas. Déjà, il l'attaque au début de tous ses matchs. Cette fois, c'est Sting qui a riposté. Et là, même après les matchs, il continue à l'attaquer. Cette fois avec une chaise. Ouais, il va l'achever au plein milieu du ring. Je sens que c'est la fin de Sting. Attention, c'est parti, ça va être le Style Clash sur Sting en plein milieu de ce ring. Oh, oh, c'est Sting est complètement KO. C'est la fin de ce show. C'est terrible ce qui s'est passé. On aura eu deux matchs encore entre les deux. Deux attaques encore. C'est complètement terrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Un peu plus longue que l'autre. On se retrouve pour l'épisode 3 quand j'aurai le temps, j'ai envie de dire. Et sinon, moi je vous dis, abonnez-vous. Allez, salut!